Et ça fait longtemps qu'on s'est vu. Oui, on est en confinement. C'est maudite COVID-19. J'ai hâte que ça finisse cette histoire-là. Je taboute. Mais pendant son confinement-là, j'ai fait de la programmation. Et Lostkasoft maintenant reprend un classique de l'Apple II. Oui, le Gorg, le vrai Gorg. Je vous le montre ici, le vrai Gorg. Gorgon, qui était fait en 1981 par Nazir Gebely. Oui, j'ai enfin trouvé le concepteur Nazir Gebely, qui est le cofondateur de Serious Software, qui a fait ce petit chef-d'œuvre sur l'Apple II en 1981. Et je dois la fière chandelle parce que j'y rends hommage à son bébé, qui s'appelle Gorgon, une espèce de clone de Defender, qui est mieux connu au Québec sous le nom de Gorg, dans ma génération. Dans ma génération, qui a connu des téléjeux Intervision avant le vidéo, oui, dont l'autre était un ordinateur Apple II, et on jouait avec les boutons de téléphone, Intervision, était connu sous le nom du jeu Gorg. Et depuis une semaine, j'ai travaillé, je me suis donné un défi de confinement, de COVID-19, et j'ai recréé sur la Pico 8, oui, le jeu complet Gorg avec le sauvegardage des satellites, les humains qu'il faut sauver, et puis tout. Je vous invite, je regarde un gameplay, je vous fais un petit démo, on regarde ça ensemble. Ok, juste pour vous dire qu'il est maintenant disponible. Pour y jouer, je vous donne le lien dans la description de la vidéo ou dans le post Facebook. vous cliquez dessus, c'est par le navigateur, vous pouvez brancher votre manette, c'est prêt maintenant en prise en charge. Là, présentement, je la joue sur ma Pico 8. Et qui est ce Gorgon? Si on peut le mentionner, il faut que ça. Il faut que je sélectionne la fenêtre à tous les fois. Je fais des belles petites transitions. Fait que comme j'ai fait des explosions, j'ai gardé un peu le principe d'explosion de Defender. Que l'explosion d'origine, j'ai rajouté aussi l'effet des satellites. Là, si tout va bien, sans me planter, vous allez voir le vaisseau mère que je peux me tanker. Et non, ça marche pas, mais ça va revenir. Ça, c'est un beau petit défi, ça. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Il y a peut-être des petits bugs que je vais corriger un peu. Je suis déjà game over, ça va bien. Ça va bien. J'ai encore appuyé sur le mauvais bouton. Là, on va recommencer ça. Reset-moi ça. Et il y a les Gorgons avec les mêmes explosions. J'ai gardé les mêmes explosions, les petits zaps. Puis on peut sauvegarder des bonhommes. Ça, je l'ai manqué. Comme vous voyez, moi, j'ai fait le fameux traditionnel moins 50 points en haut de l'écran qui apparaît quand on laisse mourir un humain. Il y a un petit bug ici, là, avec il y a un gargouille qui reste planté au sol alors qu'il n'y a même pas d'humain. Ça, il y a quelque chose là, que je corrige. Il y a peut-être des petits bugs que je vais probablement corriger, mais à date, le jeu il est jouable. Il y a les ornithorynques qui mangent des œufs d'ailleurs. Et il y a aussi, on ne le voit pas, là, mais il y a les Grimm, les fameux dragons rouges, qui n'ont pas encore choisi d'apparaître d'ailleurs. On ne le voit pas. Attends, il y a juste des. En tout cas, les quatre Gorgons sont là au rendez-vous. Beaucoup plus difficile. Ça respecte pas mal un peu le principe de l'original, avec l'écoulement des étoiles en arrière-plan en parallax scrolling. Bref, Gorgon, il est arrivé, il est disponible. Je vous laisse le lien en description. Et je vous dis à la prochaine pour une autre chronique rapide de Lostkasoft. Et d'ici là, portez-vous bien, restez en dedans, lavez vos mains. Fuck off. Bye.